On est en mode testing, hein. On se met une compte, mais y'a R. Ah, il joue Flash Ignite en... Y'a un OTP en tchal actuellement, Anitop. Et il le joue avec un Flash Ignite. Ça aurait peut-être été mieux, mais... Anode Doran, potion, potion. Allez, vas-y, on part là-dessus. Les bots, lui, il les fait très face normalement. Bon, là, on pourra pas, vu qu'on est parti sur une autre page de rune, et il les joue électrocution. Ah merde, je suis en... Ok, attends. Ah! Oh merde, attends. Bon, vas-y, on va faire l'invade. 30 secondes avant l'apparition de sbire. Je crois qu'on est vu. Faut que je remette en... Ok. Il a quelques games héros dessus. Ah, en vrai, je suis chaud que tu me dises les builds qu'il fait, ouais. J'ai l'impression qu'il y a que des Liandry à Annie. Il y a beaucoup de Liandry Annie quand même. Hein. Ça va être trop marrant. Ça va être marrant à tester. Ok. Faut pas que je me foire quoi sur l'early game. Parce que je pense que le match-up il est clairement pour moi en tout début. Mais après faut faire gaffe quoi. Annie a la stun chargée level 1 maintenant, ouais. Liandry ou même Luden. Après Liandry contre leur compo est pas mal quoi. Mettre des bons damage sur le Gnar. On va prendre quand même un CS. Ok. Faut que j'arrive à push la wave et refaire un back. Hein. J'ai voulu jouer un poil trop aggro quand même. J'ai voulu jouer trop aggro alors que j'ai pas non plus le full damage. Oh, ça fait pas de damage. Oh la panique. Ok, my bad. Ça a pas bien passé l'early game. Je pensais vraiment qu'il allait pas avoir de damage pour le Gnar avec mon spam A, mais c'est pas à ce point là. C'est pas à ce point là, Anitop. Aïe aïe aïe, l'early game il va être complexe parce que la lane n'est pas belle. L'early. Oh, on va avoir quand même une lane slow push. Y'a pire, y'a pire. Ok. On apprend. Tu tryhard Anitop? Yes. Pas tryhard. Je teste Anitop. Parce que ça doit bien marcher contre Gnar, mais j'ai un peu de choc l'early. Après, lose lane win game, on est bon. Par contre, j'ai Ghost et j'ai Panic Flash alors que ça touchait jamais son Q. Le problème, c'est qu'il fallait que je stompe l'early game, je pense, pour un Gnar. Plus t'as raté ton early et plus tu vas être vraiment derrière. Tu prends pas le E alors que ça a été buff. Bah, frérot, calme-toi. Hein. Non, early game. Oh, il va back. Ok. Un ennemi a été tué. En 22 à 24, c'est juste l'XP qui est un peu derrière et même niveau stuff il va être pas mal là. Un ennemi a été tué. Le A il me régène 100% de ma mana ou... Ouais. Et ça réduit 50% du CD, ok. Oh, j'ai pas trop l'habitude encore de Anitop. Ah, il a pas back le Gnar. What the fuck. Il y a quelqu'un qui est top. Peut-être. Ok, je connais bien les ranges. Pour que le Gnar n'ait pas back, c'est que ça sent clairement la sauce. Ça veut me go là.
J'aurais peut-être dû me mettre mon... Comme ça je pouvais mettre un stun derrière. J'ai trop peur de... Du jungle top là. Ah, au pire, je vais ward. Hein. Ok. Putain, j'ai vraiment pas level up. J'ai pas level up. J'aurais mis un Q sur le creep, je le tuais. Ah, je joue trop mal à nuit. Ah, ça va être dur la lane là. On a un level entier de retard. Oh ouais. Oh fuck. Lose lane, win game. Oh, c'était tellement bien sinon. J'étais con. J'ai essayé de mettre un Q sur le creep. Après, j'avais toujours la mana pour pouvoir faire le trade. Et on était bien, genre. Alors que là, j'ai claqué tous mes spells trop bêtement, genre. Et en vrai, ça se voit que c'est un match-up qui est clairement pour Annie, hein. Ça se voit que c'est un match-up pour Annie. Il prend pas flash. Il prend flash TP, jamais ghost en rune, first strike, soit Preda. Ok, ok. First strike, j'aime bien. Preda, je sais qu'il l'aime beaucoup, mais je suis pas trop fan, même si c'est pour Rome. Ton objectif sera ça. Oh la body. Miams. Plus je pue la merde et plus les games sont faciles. Hein. Merde, il est déjà là. Oh, il a les bottes de Mercure. Allez, finito pipo, malin frérot. Faut snowball l'early game, mais... ça a glissé. Ok, il y a juste un problème que j'ai avec Annie top. Enfin, avec Annie même, de manière globale. C'est le... L'auto-attaque. Ça me cancelle beaucoup, mais... Mon positionnement à chaque fois. Ouais, bien joué. J'avais pas su là son flash. Préférais tenter. Mode agressif. C'est vrai que je peux eux aussi T-Burst, on est d'accord. Hein. Non, 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 non. Et en plus il prend les damage. Ouais, c'est pas mal ça. Par contre T-Burst il reste combien de temps? 45 secondes, ok. C'est un camion niveau animation, ouais, un peu. Annie contre Fiora, il a fait une game en 11-1. Le cauchemar. En first strike? Attention, méga. Tu l'as sur toi aussi, c'est même si tu mets sur le T-Burst. Ah ça, je savais pas. Divin. 20. Interruption. Frérot, compliqué là. Hein. On peut pas trop y aller. Est-ce que je me suis chauffé, chat? Ouais, un peu, ouais. Ok, ça va. Oh! Le petit bruit du ghost into... En fait, après mieux réflexion avec moi-même, ça allait pas bien se passer, cette histoire. Il faut que je lift top parce qu'à mon avis, il y a un but qui arrive. Franchement, mourir, c'est vraiment nul.
C'était pour faire passer un message, exactement. J'ai fait un peu mon malfit là. J'ai fait un peu le malfit. En tout cas, bon counter de Gnar, hein. On l'a bien counter. Ouais. Je pense qu'il y a encore le... Le Wukong. Ah, peut-être pas, ouais. Ça spam salement Annie par contre. Hein. T'es sûr qu'il avait envie de mon petit cul. Un allié a été tué. Un allié a été tué. Ah tu vois en fait, il y a mon auto-attaque qui part toujours derrière. Quand je veux mettre le A, j'ai toujours mes autos qui partent. Enfin, c'est pas mal, c'est quand même pas mal de dégâts, mais... Il peut taper le... Non, il peut pas. Ok. Au moins on arrive à push les waves. Je sais pas trop ce qu'on va faire après comme item par contre. Hein. Avec leur leak G, je vois des étreintes démoniaques. En vrai, je pense que c'est pas dégueu. Je pense que c'est loin d'être dégueu. Ça va pas céder l'ulti d'Annie, hein. Faut pas hésiter à le spam. Hein. Ah, raté. Un ennemi a été tué. Ah, tu vois, je cancel tout le temps mon positionnement. Ça fume. Doublé. Ça enlève 320. Pas mal. Ok. Ah mais viens avec moi. Les boucliers des tourelles vont bientôt tomber. Votre équipe a détruit une tourelle. Non. Ok, la flash. Vas-y, mets-lui de droite, mets-lui de droite. Ra ra ra. Vous avez été tué. Oh, yo. Let's go. Votre tourelle a été détruite. Et flash, worse. Un ennemi a été tué. Ça donne de la CD en plus de faire le liandry. Hein. Bon, j'aime beaucoup ce petit Picani. Faut qu'on le peaufine, mais... Ça sera le bon choix contre Gnar à tester en vrai. Je regarderai les runes de héros à la prochaine. Ah, elle a pas grid. Merde. Non. Oui. Let's go. J'ai le grip. Oh, j'avoue que c'est agréable. Est-ce que c'est pas le E qui monte en deuxième hero? Non, je pense pas quand même.
Tiens, l'auto-attaque. Mes crayons. Votre équipe a détruit une tourelle. En fait, c'est Annie roaming et puis basta, hein. Non, c'est pas aussi bien le E quand même à monter, ouais. Mais si cette A est quand même important pour les dégâts. Ça me fume la game. C'est littéralement, je fais que de courir vers la mid lane. But let's go! Ok. Ah, y'avait des places pour le Hellfest! No way, je savais pas. Ah, j'ai pas suivi. Bon bah, too late. Les autos qui partent plus loin que les spells, ouais, il faut que j'arrive à gérer ça. Ah les gars, ouais, je pensais pas aller à mid moi. Interruption. Ouais, faut que j'aille jusqu'au top là, putain ça fait loin. Ça fait très très loin là même. Oh quoique. Oh, m'enlever mon fun. Cool kills, don't look at kills. Non. Ah, run away. J'ai mon flash dans une seconde. Non. Staying alive, staying alive. Ouh, ouh. Mais leave me alone, regarde ta base. C'est mon kikin. Votre équipe a détruit une tourelle. Bon, bah maintenant que j'ai plus qu'à marcher, de toute façon on est plus proche. C'est des places un jour. Ah, ok, ok. Là, j'avais quand même oublié que j'avais laissé le cache map par contre. Bon. Ah, il s'est mis en item speed push le Gnar. Pas convaincu. Je comprends l'idée, mais pas convaincu. J'aurais dû l'air. Ok. Ouais, compliqué à follow up celui-là. Ouais, ils sont allés un peu deep mes teammates là. What? Ok. Oh, Gnar speed push Sama. Un problème de speed push en solo queue avec Gnar, c'est que déjà il a pas, il joue pas démolition donc il peut pas speed push de fou. Et derrière, bah sa team, on est, ils sont pas faits pour pouvoir défendre énormément. Donc l'agression qu'on peut leur mettre est. C'est pas un bon choix de Pokémon quoi. Même si je comprends, hein, il a pas grand chose à faire. À part speed push quoi, mais bon. Mais t'es mort! Ok, je pensais que le Gnar allait pouvoir lui mettre une giga droite, mais... Oh, même si tu touches, t'as pas le R. Ah, par contre, c'est que sur T-Burst, moi, ok. Bon, ils ont overstay de zinzin en face, malheureusement. Enfin, chez nous, plutôt. Il y a la TP de Gnar.
Ok. Non mais c'est vraiment le pire des spells. Genre l'auto-attaque elle veut toujours partir. Mon auto-attaque veut toujours partir alors que je veux mettre DA. Allez top chouchou. On est là hein. Ah le Victor j'avoue qu'il était positionné comme une chèvre hein. Loupé le creep. Je peux pas push plus là. C'est pas bon mais ça passe, écoutez. C'est ce qui compte hein. Bon, pourquoi comme item maintenant? D'accord. Il faut quoi comme item maintenant? Bâton du vide, check. Merde, à chaque fois je prends ça en mode T-Burst, mais non, ça, y a que... Non, 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 tant que le bouclier est actif... T-Burst gagne toujours les effets du bouclier en fusion quand il est invoqué. Ah, attends, attends, si je me shield moi-même, ça shield aussi T-Burst ou pas? Ou c'est que dans un sens? Un ennemi a été tué. De rien pour le pic. Ouais, non, Anitop, je savais que c'était viable, j'avais complètement zappé, mais par contre, je la joue encore très mal. Si je me shield moi-même, ça shield T-Burst, mais c'est incroyable. Enfin, c'est trop chiant, H. Vas-y mais... Invincible. Mais juste auto-attaque il a dit oh non. Je vais pas le tuer. Ça te shield automatiquement. Ok ok. Alors c'est pas worse hein. Le E, c'est pas un shield ciblé. Bah si. Tu peux le mettre sur tes alliés. Ok, c'est bien, un ulti. Oui, la fin. Nice. Riley plus Shadow serait pas mieux. Ouais, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Enfin, trop tard maintenant, mais... Oh, les damage qu'elle a mis. Ouais, y'a personne pour follow up ça. Ah non, merde, c'est vrai que j'ai mon shield déjà d'activer de base. Fuck. Votre équipe a détruit un inhibiteur. Power, tu tues le Victor qui a 10 kills. Bah, c'est. En fait, c'est juste que normalement, sur le timing, ma team peut pas trop push. Donc, c'est pour ça que je perds mon flash pour une action qui est pas fofolle en soi. Oh, le Wukong il est bien nourri hein. Vas-y T-Burst. Oui. Putain le E qui est, le E que je peux, enfin, je peux shield T-Burst de si loin, c'est un truc de zinzin hein. Genre je me suis auto shield, ça a buff T-Burst, c'est débile. Ok on apprend, on apprend, on apprend. J'ai bien pépoché sur cette game. Ah désolé Gnar hein, tu t'es fait top gap lul. Pas du tout. J'ai été puant. Mais on a appris un peu genre. Et si tu shield un allié, ça shield de Rativers aussi. Ok, ok, ok. Ça c'est cool. Le nono, ça a bien frappé. Putain, c'était... du gain d'élo tout en étant instructif. Ah, la Kessa, elle avait faim, ouais. On s'est fait Team Gaped comme il fallait, là. Putain, je fais trop beau corps de scène, porte-moi. Soyons amis pour l'éternité. Ça a toujours été comme ça le shield entre Annie et T-Burst. Non mais c'était il y a longtemps sûrement. Mais après j'ai jamais été un main Annie. Donc compliqué.
Merci Antivirus, merci pour les 10 mois. Pendant le fight de cliquer sur ton ennemi avec R pour qu'un dit kill tubers pour celui qui pour taper celui-ci, ouais. Ok. Enfin, c'était marrant en tout cas. Hein. Ah, c'était vachement marrant.